Il y avait beaucoup d'émotions mardi à Marseille quand plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes des effondrements d'immeubles dans le centre-ville. Il y a un an, le 5 novembre 2018, deux bâtiments insalubres situés au 63 et 65 de la rue d'Aubagne ont provoqué la mort de 8 personnes. Ce mardi, ils étaient plusieurs centaines de Marseillais réunis pour se recueillir avec notamment 8 minutes de silence et un mot d'ordre ni oubli ni pardon. Concrètement, il faut savoir qu'à Marseille, 100 000 personnes vivent encore dans des taudis selon la fondation Abbé Pierre. C'est dans ce contexte qu'une enquête judiciaire est en cours pour tenter de déterminer les responsabilités. Pourtant, les experts avaient prévenu en alertant à plusieurs reprises les autorités locales sur le mauvais état de ces immeubles depuis... 399 bâtiments ont été évacués à Marseille, laissant parfois les habitants livrés à eux-mêmes dans des hôtels ou chez des proches. Pour nombre d'entre eux, aucune solution de relogement n'a été proposée, tandis que dans plusieurs arrondissements, la préfecture a pris un arrêté de péril ou d'interdiction d'occupation. Sachez enfin que l'année dernière, le gouvernement avait promis une aide de 240 millions d'euros pour lutter contre ce phénomène à Marseille, mais aujourd'hui, seuls 17 millions ont été versés.